du vent salé, tel fut ses derniers mots. Il les livra au gré des alizés, en sombrant dessous les flots. Dans les eaux noires de terre mort, où gisent mille corps brisés, l'amiral est mort, livré à son sort par sa fille abandonnée. Pourquoi? Par-delà les courants, il fit voile au couchant. En père dévoué, toujours il l'a suivi, priant qu'elle soit en vie. Mais l'attendait sur ses lointains rivages des ennemis ancestraux. Bouffe! Sa fille tourne à l'autour. Je vais baisser le son. Très bien. Y'a pas de soucis. Trop de notifs d'un coup. Hop! Par son sang trahi. Je ne vous vois pas, je crois. Mon chat, il... Je sais pas ce qu'il fait. J'ai beau avoir refresh le lien 358 fois sur... Je parle de l'overlay. Hein. Sur l'overlay. Ah bah voilà. Je l'ai refresh je ne sais combien de fois. Et à aucun moment il s'est décidé. Et là, oui. Écoutez, pourquoi pas, hein? Comment ça va les gens? Par contre, j'ai un petit peu trop baissé le son. Voilà. Je prépare la playlist au cas où. Comment ça va les gens? J'entends, depuis les eaux glacées, me dire la même voix. Il y a sûrement des moments où je vais me mute, où je vais enlever la caméra, où je vais... je vous préviens d'avance, hein. Je suis pas dans le bien, mais c'est pas grave. J'ai de la famille. Ça va, même si, voilà... De toute façon, je vais en parler, mais voilà. J'ai de la famille, du coup, à tout moment, je vais me mute, enlever la cam pour pas qu'on les voit, etc. Donc ne vous en faites pas s'il y a genre 2 minutes où il n'y a plus rien d'un coup, ça n'a pas bugué pour vous, c'est juste que il y aura de la famille, tout simplement. Qu'est-ce que ça raconte de beau? J'essaie de faire du positif au début. J'essaie de faire du positif au début. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Je vois des overlays, mon gars. Propriété supprimée. J'entends, depuis les eaux glacées, me dire la même voix. Hop! On fait ça. Raté. C'est pas un truc grave. Non, c'est un truc que je devrais vous dire depuis le début, hein. Par contre, je fais bien trop forte musique. Attends. 1%. Non, 1. Je vais me battre. Ouais, bon, voilà, c'est bon. Même sur mon tel, le live bug, je suis dégoûtée. Non. Brûlons tout ce qui rend Sienna triste. Non, non. C'est pas ça. C'est la codésine. C'est vrai que Mini, tu n'es pas... comment dire? Tu n'es pas du même continent. Il est quelle heure chez toi? Oui, j'essaye de changer de sujet. Non, mais vous en faites pas.
Si je me tourne, c'est uniquement pour mieux entendre s'il y a des gens qui débarquent dans ma chambre. J'ai vu le besoin de vous parler, j'ai arrêté ma disserte directe et je suis venue. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Non, c'est juste la côte chez moi. Oui, c'est vrai. Non, mais on va éviter de faire du drama, hein. Enfin, il n'y a pas de drama ni rien d'ailleurs. C'est juste des choses en fait qui sont là depuis des mois dans ma situation. Mais non. Pourquoi j'arrive pas à parler? C'est horrible. Bref. C'est juste que ça fait des mois en fait que je fais traîner le truc, que je me dis que je vais prendre sur moi, que je vais arriver sur ma chaîne et faire des trucs que je veux faire sur... Moi aussi ça bug. Ça doit être le boîtier alors. Que je veux faire depuis longtemps sur ma chaîne, mais que je n'arrive pas tout simplement parce que je ne suis pas bien. Je l'avoue enfin, j'arrête d'avoir un masque. Je l'avoue enfin, ça va pas bien chez moi. Alors, pas des trucs que vous pouvez régler, mais c'est des choses que je devais vous dire. C'est des choses qui... peut-être que certains le savent, d'autres pas. Ça va être compliqué d'expliquer toute ma situation, pour le coup. Mais je me devais, je me devais, je me dois de vous mettre... Je suis en train de... faire de la buée sur mes lunettes avec mes pleurs. Génial. Je me devais de vous mettre au courant en fait. Il y en a beaucoup qui le savent qu'il y a eu pas mal de soucis médicaux de mon côté, du côté de mes parents. Mon père s'est fait hospitaliser, enfin mon père s'est fait opérer, ma mère s'est fait hospitaliser. J'ai dû gérer tout ça à peu près toute seule. Ça a été compliqué. Et en fait, j'ai laissé la chaîne pourrir, littéralement, hein, pourrir. J'ai laissé... De toute façon, Mini, je mettrai la rediff directement sur YouTube après le live, parce que c'est quelque chose que YouTube doit être au courant aussi. Mais j'ai laissé la chaîne pourrir parce que donc j'ai tout ça à gérer. J'ai, même malgré les lives où je vous dis il faut avoir confiance en vous, gna gna gna, je pense que je suis la pire, mais la pire des hypocrites à ce point-là. Parce que je vous fais des lives en mode non, mais il faut avoir la confiance en soi, ça fait tout. Faut avoir confiance en soi, etc. Et moi, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que vous pourrez demander à tout mon entourage autour de moi, hein. Je tourne une vidéo, je trouve ce que je fais. Pourri, je vais être cash avec vous. Je trouve mon contenu pourri et je supprime la vidéo et du coup je ne diffuse rien parce que je me démonte toute seule en fait. Donc voilà, c'est un truc que vous êtes en droit de savoir. Que merci, c'est gentil. Que du coup, bah c'est la moindre des choses pour moi en fait parce que je me force à liver, je vous le dis tout de suite. Il y a des moments où ça me fait plaisir de live, clairement. Hein. Attention, je dis pas que je me force pour tous les lives. Mais je me force en fait à live pour vous. Parce... Excusez-moi, hein, donc... Rappelez au cas où pour ceux qui sont sur le live que famille. Hein, je me force à live parce que déjà ça me fait du bien. Je vais pas vous le cacher, discuter avec vous, ça me fait du bien. Et aussi que ça c'est stupide de ma part. Je me donne bonne conscience en me disant que si je live, c'est pas très grave si je lâche YouTube. Alors que c'est pas le cas, hein, c'est très grave. Mais j'essaye de me donner bonne conscience avec ça. Et je vais venir chez toi juste pour te faire des câlins. Non mais c'est compliqué. Déjà ça me fait bizarre parce que c'est la première fois que j'enlève ce putain de masque. J'ai pu entendre hein, ça va pas bien chez moi, courage copine, des problèmes chez soi. Pas de soucis, des bisous mimi. Mais c'est la première fois que j'enlève le masque avec vous.
D'habitude, je fais toujours ouais, ça va, vous en faites pas, on va jouer sur Overwatch, on va se défouler, etc. Et ça me fait bizarre de pleurer pour une fois. Enfin, pour une fois. Pour une fois devant la caméra. Mais bon. Bref, j'ai pas envie de faire du. Comment on dit ça? Comment on appelle ça? Je sais même pas le mot tellement ça m'énerve. Le fait de pleurer pour faire pitié, c'est pas du tout ce que je recherche. C'est juste. J'arrive pas à parler sans pleurer en fait. Bref! La joie est présente. J'ai du mal à regarder la caméra aussi. J'ai du mal à regarder la caméra. Mais c'est un truc que vous deviez savoir. Il n'y a pas de souci, des bisous, Perseid. C'est un truc que vous deviez savoir. C'est quelque chose que je cache, que j'essaye de faire tout va bien chez moi. Clairement. J'essaye de faire tout va bien, etc. Alors que ça ne l'est pas. Hein. Clairement, ça ne l'est pas. Et je remercie, mais énormément, énormément les gens qui m'entourent. Plus particulièrement une personne, mais voilà. J'ai énormément de personnes en qui je peux parler, etc. Et sur, je pense que ça doit faire un an que cette histoire est comme ça. Ouais, je dirais bien un an. Ça fait bien un an que l'histoire est comme ça et que j'essaye de relativiser à chaque fois avec vous, mais au bout d'un moment, bah, faut que le masque tombe et que ça, comment dire, et que ça se lâche quoi en fait, tout simplement. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que la chaîne est un peu dans le mal. J'arrive pas à tourner un épisode de Detroit, même les épisodes que vous avez déjà vus. Dans Detroit Become Human, il y en a beaucoup. Je dirais même 75%, hein. 75% que j'ai dû retourner, parce que comme je vous ai dit, je tournais une vidéo, je trouvais le contenu minable, mais quand je dis minable, c'est vraiment minable, hein. Et que je me reforçais à retourner en fait. Et c'est pour ça que actuellement il n'y a pas de vidéo. Parce que je veux plus faire ça. Je veux que les vidéos que vous voyez soient ce que je suis. C'est pas un masque. C'est pas. Voilà quoi. Du coup, ça me prend un peu la tête en ce moment. Surtout que je suis très sentimentale. Je prends tout. Mais tout, mais quand je dis vraiment tout, tout rapidement très mal. C'est-à-dire que autant quand on me fait des compliments, je les écoute pas. Je les écoute pas parce que je me dis ouais, c'est juste pour me faire plaisir, donc bon, alors que. Je sais qu'il y en a qui sont réels, hein, et je sais qu'il y en a qui sont bien réels, mais je vais plus le prendre mal, et c'est un truc de. On en parlait avec Bri et ça nous avait un petit peu fait rire. C'est le genre de truc où t'auras beau avoir 250 commentaires qui vont te dire mais non, mais t'es génial, etc. Tu vois un commentaire mauvais, tu vas te focaliser sur ce commentaire-là. Du coup, voilà. Donc, je voulais que vous soyez un peu au courant de la situation. Et vous êtes en droit de poser des questions hein, sur le chat. Le but de l'avoir fait en live et pas en vidéo, c'est aussi pour ça. Le désavantage, c'est que je pourrais pas couper les fois où je pleurerais. Mais bon, on fait avec. Hein, on fait avec, y a pas de souci. Mais du coup, voilà. J'ai plein de trucs à vous dire, mais j'ai envie d'aller une chose en même temps, sinon je vais oublier des trucs. Yo, champion! Et vous êtes adorable de vouloir m'aider, hein. Vous êtes adorable, hein. Vous imaginez pas au combien je vous aime pour ça, hein. D'ailleurs, attendez un truc. Je me suis pas mis. Voilà, parce que sinon, me dire que ils l'ont pas vu sur le Discord. Hop. Ça me fait tout bizarre de dire ce que j'ai sur le cœur en fait.
Vas-y, ça sent la déprime, raconte à Pépé. Bah, vous pouvez pas faire. Enfin, c'est con, hein, mais vous pouvez pas faire grand-chose, c'est à moi d'aller mieux, hein. Là, c'est juste moi qui me dois. Enfin, pour moi, je me dois, en fait, de vous dire la vérité vis-à-vis de ça. Et encore, j'évite de tout raconter dans les détails parce que ça reste un peu ma vie privée. Mais, vous êtes en droit de savoir certains trucs, quoi. J'ai pas envie de sortir en fait le classique, me soutenir, me partager sur les réseaux sociaux, etc. Parce que j'ai l'impression, je vous le dis, hein, je le fais pas uniquement parce que j'ai l'impression que c'est demander vis-à-vis de la pitié. Et c'est pas ce que je veux. C'est clairement pas ce que je veux. Donc, mais voilà, ça aide. Et j'essaye d'être forte pour vous. J'essaye, hein. Je dis bien j'essaye. Attention. À prendre avec des pincettes ce que je dis, hein, parce qu'on n'est pas gagné vis-à-vis de ça. Mais j'essaie de l'être un maximum pour vous, d'être un maximum pour mon entourage qui me supporte au quotidien comme ça. Même si c'est pas grand-chose, une aide peut toujours être utile. Oui, non, mais oui, je suis d'accord. Mais du coup, voilà. Gros gros câlin. Merci à vous. Mais ça veut pas dire que tout ce que j'ai dit dans le passé avec la confiance, etc., c'est du bullshit, hein. La confiance, c'est ce qui vous fera avancer, clairement. Là, je l'ai réalisé trop tard, hein. Je l'ai réalisé que quand j'ai perdu ma confiance. Mais quand j'avais enfin confiance en moi, quand je me sentais bien dans ma peau, t'es sorti avec un vieux riche et tu sais pas si tu dois prendre son argent, un conseil, prends tout. Non. Non, non, je suis pas du tout argent, hein, d'ailleurs. Certains le savent et ça leur fait bien rire. Je ne suis pas du tout argent. Non, plus sérieusement, courage, merci. Mais la confiance, c'est ce qui fait tout chez une personne. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. On peut en débattre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et franchement, essayez de retrouver confiance en vous si vous l'avez pas. Parce que c'est ce qui vous fera avancer, clairement. Et moi, je me bats actuellement pour la retrouver. C'est pas gagné, hein. Clairement pas gagné. Mais on essaye. Et toi, tes problèmes de santé, tu en es où? Alors Déjà, j'essaie de calmer mes pleurs, et après, je vous parle de ma santé. C'est assez compliqué. J'essaie de garder le sourire, mais voilà. Ma santé, c'est pas le mieux. En gros, si vous voulez, comme mon père s'est fait opérer fin juillet, il y a eu des complications vis-à-vis de l'opération et du coup, il y a resté assez longtemps. Dans la famille, c'est le seul à avoir le permis et ma mère s'est fait hospitaliser quelques semaines. Non, mais pleurez pas pour moi, s'il vous plaît. Quelques semaines après, ma mère s'est fait hospitaliser. Rien de grave, elle est à la maison, tout va bien. Hein. C'est juste que après tout ça, en fait, enfin, pendant tout ça, ma santé, je l'ai mis en stand-by, clairement. Ma santé, je l'ai mis en stand-by. Il y a des bruits chelous à côté. Plein, en fait, plein de rendez-vous médicaux. Je vous expliquerai un jour peut-être pourquoi. Ça aussi, c'est une situation qui me met dans le mal vis-à-vis de ça. Mais j'ai mis tous ces rendez-vous en stand-by parce que déjà par peur. Quand j'ai su une des annonces qui m'a fait terriblement peur, et c'était le. J'ai eu un kyste à l'ovaire. Je l'ai toujours, peut-être, j'en sais rien. Je dois attendre. Ça aussi, c'est les joies du. De la médecine, hein. Mais quand j'ai su que j'ai eu un kyste à l'ovaire qui, s'il ne part pas naturellement, hein, pouvait me rendre stérile, je peux vous dire que j'ai flippé et que j'ai plus voulu faire de rendez-vous médicaux. En dehors de ça va mieux pour certains, dans certaines choses. J'ai été rassurée dans des endroits où je pensais être pas bien, en fait.
Parce qu'on m'avait toujours dit que, par exemple, ma rate était née déformée. Enfin, quand je suis née, j'ai eu la rate déformée. Et je pensais que ça allait me poser problème étant adulte, et finalement, ça a bien avancé quand j'ai grandi. Donc, il y a des trucs qui m'ont rassurée, hein, mais comme pour les commentaires, hein, on se focalise toujours sur ce qui est mauvais et pas sur ce qui est bon. Et du coup, je me suis focalisée sur ce truc, et ça m'a mis dans la dépression. Dans la dépression. J'arrive même pas à dire le mot. C'est ouf, hein? C'est ouf. Mais, bah, ça. Rajouter que, pour ceux qui ne le savent pas, depuis que j'ai 13 ans, je m'occupe de mes parents. Enfin, m'occupe de mes parents. En gros, mes parents sont étrangers. Mes parents sont étrangers et ne parlent pas français et encore ne l'écrivent moins. L'écrit. Même moi, j'ai du mal pour vous dire une idée. Bref! Du coup, tout ce qui est paperasse, donc tout ce qui est papier, etc., c'est moi qui dois le gérer. Donc, devoir gérer la situation de mes parents qui étaient dans des hôpitaux, donc paperasse à foison, plus ma situation à moi, autant vous dire que je me suis vraiment, vraiment, vraiment mise de côté. Je me suis vraiment mise de côté. Et je suis en stand-by. Je suis en stand-by vis-à-vis de ma santé. On va dire ça comme ça. Puisque ce kyste, on m'a dit que normalement en 3 mois, il devrait partir tout seul, parce qu'on me l'a dit. C'est un truc qui m'a très beaucoup très, beaucoup fait rire, rire jaune, mais rire. Qui c'est qui a créé un étalon du cul? J'ai envie de jouer à Borderlands. Putain, je te déteste. Non, comment expliquer? En gros, sur le papier. Sur le papier de conclusion du rendez-vous, etc. Je suis en train de chercher des mouchoirs en même temps. Hein. Je crois que je vais faire une pause cherchage de mouchoirs, juste avant. Attendez. Est-ce qu'il y en a derrière moi? Je crois pas. Ah, oh, il y a du coton. Il y a du coton, je me démerderai. Ah non, je suis un nouveau viewer. Coucou, étalon du cul. Sur une touche plus légère, cette coupe de cheveux te va incroyablement bien. Merci, Mister C. Donc oui, pour ce kyste, sur le papier conclusion qui est devant moi, je vais pas vous le montrer, mais ce papier me rend fou. C'est marqué vraisemblablement fonctionnel. J'étais là en mode, est-ce que c'est une blague? Genre, est-ce que tu peux vraiment, toi, en tant que médecin, marquer sur un papier vraisemblablement? Genre non, ça l'est ou ça l'est pas. J'ai pas fait des examens pour que ça soit vraisemblablement fonctionnel. Donc en fait, je suis actuellement, je suis sur peut-être le dernier mois, faudrait que je voie vis-à-vis du papier. Je suis sur un kyste, donc du coup à l'ovaire, qui me fait flipper et je dois attendre 3 mois en mode, est-ce qu'il va être problématique ou pas? Voilà. Donc 3 mois comme ça à attendre pour pas grand-chose. Voilà. Et je reviens, je vais aller me chercher un mouchoir parce que j'en peux plus. Je reviens. Y a trop de fils. Re. Donc voilà. Donc si... niveau santé, actuellement c'est ça. Je suis en stand-by vis-à-vis des rendez-vous. J'essaye de voir avec une psychologue, voir ce qu'on peut faire pour mon cas. Elle m'a fait pleurer. Mais faut pas pleurer. Dixit la nana qui pleure depuis qu'elle a lancé le live. Hein? Mais niveau santé, actuellement, c'est ça. Si on enlève le côté émotionnel, cerveau, tout ça, tout ça. Et j'entends des bruits, ça me stresse. C'est toi, Rex, qui fait des bruits?
Un doudou. Tu veux venir là? Est-ce que tu veux monter? Tu montes? Allez, monte. Mais du coup, voilà. Mais je sais pas quoi d'autre vous dire. Parce que je ne sais pas ce que je dois vous dire, ce que je dois pas vous dire. Franchement, sèche ses larmes, tu as un sourire magnifique. Mais vous êtes gentil. Je ne mérite pas ça. Je sais pas si je peux comprendre. Crémir qui donne 100 bits. Courage pour tout, sache que l'on est là pour toi et on le sera très longtemps encore. Merci. Et j'ai pas envie de me savoir malade, pareil, je dois me faire opérer, mais l'hôpital et mes médecins on dirait qu'ils compliquent la chose, c'est juste horrible à vivre. C'est à peu près ça. Et avant ma situation où je me suis forcée à faire ces examens-là pour un truc que je vous expliquerai après, sachez que j'avais une phobie des hôpitaux. Mais genre vraiment une phobie, hein. C'est pas de la fainéantise ou autre. C'est-à-dire que je me mettais à paniquer si je restais trop longtemps dans un hôpital et que fallait que je sorte à tout prix, sinon j'allais péter un plomb. Oui, le doudou. Repurcide. Mais je me suis forcée et j'ai un peu peur. J'ai toujours peur, hein. Sachant que un des examens que j'ai dû faire, s'il y a des personnes dans peut-être pas sur le live directement, mais sur la. Qui l'ont fait en commentaire, parce que ce sera rediffusé ce soir même. J'ai fait ce qu'on appelle une gastroscopie. Voilà. Il y a des gens qui frappent à ma porte. J'ai fait ce qu'on appelle une gastroscopie. Une gastroscopie, c'est quoi? En gros, on t'insère un tuyau par la gorge, hein? Et on t'examine ton estomac pour voir si tout est nickel, etc. Et je crois qu'on te retire un truc pour voir si t'as des bactéries en toi ou un truc dans le genre. Enfin bref. Moins de détails, mieux ça me va. Voilà. Tout ce qui est. Enfin. Qui plus est, ce truc, je n'arrive pas à le faire. À la base, en fait, Un, deux, trois? Endors. Pas Endors. Mais en gros, c'est endormir, mais c'est pas ça. C'est. J'ai plus le mot. Une anesthésie, voilà. C'est compliqué, hein. On te fait une anesthésie locale, donc au niveau de la gorge. Donc en gros, on te met un spray dans la bouche et on t'endort la bouche ainsi que la gorge. Ah, c'est horrible, mais voilà, c'est voilà. Anesthésie, merci. Normalement, c'est local. Normalement, tu le fais en deux temps, trois mouvements. Le truc, on m'a vendu ça en mode vas-y, je te rassure. Cordialement, les médecins, hein. On t'endort la gorge, mais en fait, je ne sais pas si c'est moi, si c'est le produit qui n'a pas fonctionné. Enfin bref, j'en sais rien. Je ne supportais pas sentir le tuyau dans ma gorge. Et le fait d'imaginer cette chose-là, pendant que je suis réveillée, totalement réveillée, que t'es anesthésiée de la bouche, t'es là en mode à l'aide. T'es là en mode ok, ne pas paniquer, ne pas paniquer. Genre, t'as un truc, limite, tu n'arrives pas à respirer en fait. Moi, je n'arrivais plus à respirer. C'était peut-être une crise de panique en même temps, je n'en sais rien, mais moi, je n'arrivais pas à respirer. Donc, du coup, on m'a obligée en fait de le faire en général, puisque ça ne passait pas en local. Mais je suis comme ça depuis. C'est-à-dire que j'aurais préféré ne jamais vivre en local. Pour savoir ce qu'on me faisait réellement, pour pouvoir le faire en général, parce que je flippe, j'angoisse vis-à-vis de ça. Mais genre vraiment, hein. Perso, je l'ai fait en général, le local n'aurait pas marché. Bah en fait, moi, on m'a dit, mais vous verrez, le local, ça va très vite, il n'y a aucun problème, etc. Et quand t'es innocente, quand tu ne sais pas tout ça, hein, quand tu évites généralement les médecins, tu te dis, bon, bah, le médecin, il est habitué à faire ce genre de truc. S'il le dit, c'est que c'est vrai, tu vois. Belle erreur de la joueuse portugaise, hein. Belle grosse erreur. Et je l'ai pas du tout supporté. Et du coup, je ne veux pas le faire en général. Je panique. Je sais que je dois le faire, hein. Je sais pertinemment que je dois le faire. Mais voilà. Du coup, je suis en stand-by sur ma santé vis-à-vis de ça. Il y aura peut-être des trucs dans mon corps que je ne sais pas, mais est-ce que finalement c'est un mal de bien le savoir? Persid se transforme et rejoint la meute, bienvenue à toi, merci, merci.
c'est beaucoup trop fort. J'ai envie d'écouter du Panique, je t'aime. Merci Perside, merci beaucoup Perside. Prends toujours général, ma pauvre âme. Non mais maintenant c'est l'erreur à ne plus faire, vraiment. Mais du coup, comme j'étais pas habituée à ce genre de rendez-vous, je peux vous dire que le général, il va passer tout seul maintenant. C'est... Non, local ? Non, général. Pour te soutenir, ma belle. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. N'hésite pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu auras accès au channel sponsor. J'essaye de me calmer. Je suis en train de jouer avec mes doigts, hein. Si vous me voyez faire des trucs bizarres, je joue avec mes doigts. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire? J'ai tellement de trucs à vous dire, mais en même temps, je sais pas comment envoyer le truc. C'est horrible. Est-ce que vous avez des questions? Ce sera plus simple. Tu peux faire aussi de la résistance aux anesthésies. Je sais. Je sais. je ne dis pas le contraire. Mais du coup, voilà. Je vais reprendre mon coton à mouchoir. Je pense qu'il conseille le local car en anesthésie générale, il y a toujours un risque de ne pas se réveiller, mais ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Je pense aussi, hein, Oni. Hein. Je pense très clairement que oui. Les locales, souvent, ça laisse de mauvais souvenirs comme un implant ou le produit. Ouais, c'est ça. Après, le gros problème, c'est que l'hôpital ne savent pas expliquer les choses clairement et te balance toutes les infos d'un coup et d'une vue. Ouais, c'est ça. Et personnellement, je trouve que j'ai été très peu informée parce que, en gros, je dois faire plusieurs rendez-vous. Je dois faire plusieurs bilans, dont le bilan de la gastroscopie. Et quand j'ai appelé pour le bilan gastroscopie, qu'en fait, la nana, la secrétaire, parlait hyper vite et genre, expliquait le moins. Genre, elle te disait, bon, bah, faut que tu sois là une demi-heure à l'avance, faut que que tu sois à jeun, que de gnagnagna, que de gnagnagna. Elle te balance toutes les infos et t'es là en mode, waouh, attends, le rendez-vous est dans un mois. Laisse-moi noter tout pour que je n'oublie rien. Et genre, je l'ai fait répéter, je crois, trois fois et pareil, ils expliquent en rien. Ils expliquent en rien, en fait, comment ça se passe. Donc, t'arrives dans la salle, tu vois le truc, tu fais. Je veux pas le faire, je veux pas le faire. Oui, non mais oui. Tes parents apprennent le français, ils apprennent le français sur le tas en fait. C'est-à-dire que mes parents apprennent le français qu'ils écoutent au boulot, qu'ils doivent utiliser au boulot, mais ça s'arrête là. Je ne suis jamais allée dans un hôpital. Reste là où tu es. Non mais après, les personnes en ont besoin. Hein. Les personnes en ont besoin, je dis pas le contraire. Mais du coup voilà, et c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un qui parle pas de base, donc vous allez me dire mais tu te fous de ma gueule, tu en fais un live où tu parles avec tes abonnés etc, mais je pense que Mike sur le live pourra vous le confirmer, Krimir pourra vous le confirmer, ça fait un an que je suis dans cet état là, hein, que c'est pas facile tous les jours de me supporter, hein. Et j'ai commencé à leur parler de mes problèmes réellement. Alors Mike un peu plus tôt, mais ça c'était un peu plus compliqué. Mais mes problèmes, j'ai commencé à en parler il y a une semaine. Je sais pas quand est-ce que j'ai fait l'énorme pavé, mais j'irai il y a une semaine. Et pourtant c'est des personnes qui sont là pour moi depuis toujours, qui me mettent en confiance, etc. Hein. J'ai absolument confiance en eux, c'est pas ça le problème. C'est juste que du coup, je suis quelqu'un de très renfermé. J'ai été habituée à me démerder seule, comme on dit. Et du coup, ça a été très, très compliqué de s'ouvrir aux gens et d'essayer d'aller mieux, en fait. En fait, ça me stresse l'hôpital, je sais pas pourquoi. Non, mais Perside, je comprends parfaitement, hein. Ouais, c'est un peu ça, Jira. Je vais me remoucher, ça me soulage, je reviens. C'était l'instant mouchage rapide.
Pareil pour l'appareil pulmonaire, l'hôpital me dit d'aller voir l'opnomologue. J'arrive au pneumologue, désolé, mais je peux rien pour vous retourner voir l'hôpital et mon médecin traitant n'a reçu aucune aide de l'hôpital et du pneumologue. J'éviterai de passer sur ces détails-là, mais j'ai cru que j'allais changer de médecin traitant et de plusieurs médecins pendant certains de mes rendez-vous. Vraiment, hein. Il y a des trucs, tu te demandes s'ils sont réellement humains. Mais genre vraiment, mais du coup, voilà. C'est compliqué, quoi. T'as réussi à me faire pleurer. Mais c'est pas mon but. Je ne veux pas. C'est absolument pas mon but, en fait. Déjà, Bonjour la promesse stupide, hein. Je m'étais promis à moi-même de ne jamais pleurer en live. C'est pour ça que, par exemple, vous le saurez à partir de maintenant. Quand je fais des lives et que je ne mets pas la caméra, c'est tout simplement que je ne vais pas bien. Et que c'est plus facile pour moi en fait de cacher ma voix sur le fait que je vais mal, hein. C'est beaucoup plus facile pour moi de cacher ma voix sur le fait que je vais mal plutôt que de d'avoir la caméra où constamment je vais l'enlever parce que je vais sécher mes larmes, ce genre de choses-là. Donc ça me fait bizarre pour la première fois de pleurer. Et si j'ai un message à vous dire à tous, Mike, s'il te plaît. Si j'ai un truc à vous dire vis-à-vis de mon expérience à ne pas faire, c'est de communiquer et de parler quand vous allez pas bien. C'est un truc, je ne l'ai pas fait avant. Je ne l'ai vraiment pas fait avant. Je ne l'ai fait que depuis peu. Et inconsciemment, ça m'aide. Mais ça m'aide vraiment. Et ne restez jamais, mais jamais seul dans une dépression. Je le confirme, enfin je le confirme, enfin je le dis enfin, enfin. Je suis en dépression depuis un moment. Mais pourquoi tu pleures, ma belle? T'es intelligente et t'es drôle. C'est gentil, mais il y a plein de facteurs que j'ai expliqués. Il y aura la rediff sur YouTube juste après le live qui vous aidera pour savoir ça, mais ne restez, mais vraiment s'il vous plaît, ne restez jamais seul dans une dépression. C'est un truc qui vous tuera sinon. T'as tout pour réussir. C'est gentil. Je sais, certains ont un soutien. J'essaye de rattraper du coup ce que vous disiez pendant mon pavé. Oui, alors que moi j'ai encore du mal, Alex. Ce n'est pas facile non plus de trouver une bonne personne à qui se confier, les gens ne sont pas tous bons. J'ai trouvé la personne avec qui me confier, pour le coup. Et quand je lui parle, ça m'aide vraiment. Mais genre vraiment. Donc, c'est comme pour un décès, rester seul, c'est la pire des choses. Je peux confirmer ça aussi. Quand ça va pas, faut pas rester seul. Et il y a des personnes, vraiment, hein, il y a des personnes qui même sont là sur ce chat. Sans ces personnes-là, je ne serais pas là actuellement. Je ne ferais pas de live en fait. Si je me bats encore actuellement, c'est pour ces personnes-là. Et c'est dur pour moi, hein. C'est dur pour moi de l'avouer. Mais sans ces personnes, ce serait un peu beaucoup plus compliqué. Je vais finir par péter le bracelet avec lequel je joue, mais j'ai besoin d'un truc dans les mains pour me calmer. J'ai du mal à regarder la caméra. Bonjour et bienvenue sur un live de Siana Panda. Si c'est la première fois que vous me voyez, je suis pas comme ça d'habitude. C'est juste que bah je me devais de dire un peu la vérité à mes abonnés. Et je vous souhaite vraiment à tous, si vous passez par une phase difficile comme on dit, de parler avec des gens autour de vous, ou même des personnes. Il y a des personnes pour des numéros anonymes qui sont là pour vous aider. De parler tout simplement parce que parler ça fait du bien.
Même si c'est avouer ses faiblesses, avouer ce qu'on a pu. Achète-toi un punching ball, tu verras, ça fait du bien. J'ai fait. Enfin, j'ai fait. Pas vraiment de la boxe, mais. J'ai utilisé un ami pendant très longtemps en tant que punching ball IRL. Je sais que ça fait du bien, mais ça calme sur le moment. Parce que je suis tout au contraire, Senna, je suis mieux seule, j'arrive mieux à gérer les choses et ça me permet d'avoir les idées claires pour régler certaines choses. Oui et non. Pour moi, en fait, mais après, je suis très sentimentale. Je suis très sentimentale. J'ai besoin d'être entourée. Et surtout, ma pire. Mais alors, bonjour et bienvenue sur Raconte ta life. Ma pire peur. Mais vraiment, hein, c'est une peur chez moi. C'est pas en mode je m'en fous ou autre. C'est vraiment une peur. Hein. Ma peur, c'est de finir seule ma vie et de ne pas avoir construit ma famille. C'est-à-dire que si, quand je, pour moi, ma vie sera validée si je suis en couple avec une personne que j'aime fortement. Mariée, je m'en fous. Mariée, ce sera en fonction de la personne, ce sera pas en fonction de moi. Si je suis mariée, tant mieux. Si je suis pas mariée, je m'en fous. Mais surtout que je sois bien avec cette personne-là et surtout que j'ai un enfant. Pour moi, une vie n'est pas faite, enfin, ma vie ne sera pas bien et j'aurais raté ma vie, vraiment, si je ne suis pas entourée et que j'aurais pas créé ma propre famille. Désolée, il y avait ma nièce qui voulait récupérer quelque chose dans la chambre. Et du coup, j'en étais où? Oui, ça j'ai lu. Mais c'est ce qu'il faut faire, Champiop. Je pense que c'est ce qui aide le plus les amis, c'est de les prendre quand ils vont pas bien, de les prendre sous son aile et de. De le prendre sous son aile et de comment dire, de l'aider à surmonter cette phase compliquée de la vie, comme on dit. Normalement, elle rigole et si tu lui donnes un jet d'horreur, elle peut crier. Non, d'habitude, je suis vivante, mais c'est vrai que là, c'est pas le. Si vous me découvrez là actuellement, c'est pas le meilleur live. Hein. Repassez demain. Demain, 19h, il n'y a pas de souci. Mais c'est normal de pas le savoir, un hein, Bluebird. Ne sois pas désolé de pas le savoir. C'est aussi en partie pour ça que aujourd'hui je fais ce live. Hein, après tant de silence, tant de. Oh bah je vais faire un petit AFK IVL et je vais revenir en force. Hein, le nombre de fois. Je pense que les gens n'en peuvent plus de moi. Hein, le nombre de fois où sur ces. Je pense surtout ces derniers mois. Où j'ai fait sur Discord principalement, parce que pour ceux qui me suivent sur Discord, généralement je suis toujours présente sur Discord, je discute avec les gens, je débat avec les gens, et là actuellement c'est pas le cas, parce que j'arrive plus à faire semblant. Donc du coup voilà. J'aimerais bien aussi. tout est possible, Alex, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tout est possible, Alex. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Hein. Mais du coup, voilà. Mais je me devais de vous dire la vérité. Hein, parce que je le montre pas. Je le montre absolument pas, mon état. Même mes amis, hein, même les personnes très, très, très proches de moi, je montrais très peu. Par honte. Ouais, par honte. C'est stupide hein, de ma part, hein. Mais j'avais honte de moi. Arrête de pleurer, putain. J'ai un signe, c'est le Ponytella. Moi, c'est la musique.
Enfin non, la musique c'est toute ma vie. Non mais j'ai pas de signe. J'ai pas de signe quand je vais mal. Non, j'en ai pas. Faut pas avoir honte de ça. J'essaye de ne plus avoir honte. Mais c'est encore une fois, c'est une histoire de confiance. Quand on n'a plus confiance en soi, t'as honte de tout. Je peux vous dire un truc, c'est que y a des trucs vraiment stupides, hein. Mais parfois, je me mets à pleurer parce que j'ai fait un truc que jamais je n'aurais fait, mais que sous la peur, sous la panique, eh ben, j'ai fait cette chose-là et je regrette tellement. Et je me dis, mais putain, mais t'es une merde en fait. Faut se refaire Teen Wolf de A à Z. Ouais! Avec The Originals après. Mais du coup, voilà! Quand on a mal, il n'y a jamais rien de stupide, ma petite Yana. Je sais pas. Bref. Du coup, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois. Moi, je n'arrive pas à pleurer de tristesse. Je pleure que quand je suis hyper énervée. Je suis très. Très sentimentale. Je me mets à pleurer parce que je suis énervée. Je me mets à pleurer parce que je suis triste. Je me mets à pleurer parce que je vais bien. Ça m'est déjà arrivé en plus. Je me déprime. Moi, la musique m'aide à faire la vide et à me calmer. Du coup, ça, c'est comme une drogue maintenant. Je suis un peu comme ça. J'essaie de me calmer avec la musique. Honnêtement, le fait que tu en parles et que tu puisses te libérer un peu, ça, c'est déjà un grand pas. Ouais. C'est au bout d'un an, il serait temps. Prends ton temps et prends du temps pour toi, tu le mérites. Ouais, je sais. Mais du coup, voilà. Il n'y a pas de contenu sur YouTube, c'est pour ça. S'organiser. La solution, comme ça va pas, c'est le lien. Mais c'est le vrai Sir Gibbsy. Genre vraiment. Merci mec. Je vais parler en tant que petite viewuse parce que je regarde tes vidéos. Merci. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à te voir sur mon stream. Et je n'ai pas le lien. Attends, je vais regarder sur Streamlabs. Je vais regarder sur Streamlabs. Ah, je m'attendais pas à ça, mec. Oui, attends. Je vais regarder directement sur le site Streamlabs. Ça met 3 ans. Un petit coucou avant de bouger. Des bisous. Bye bye, mec. Merci beaucoup encore. Oh, je peux pas même. Attends. Il met pas les liens. Oh, c'est trop triste. Bref, merci en tout cas, Sargibzi. Merci beaucoup. Mais oui, après, il y a plein de vidéos qui aident aussi. Mais du coup, voilà. Ça me fait tout bizarre. Pour des gros câlins. Merci, merci beaucoup. Et qu'est-ce que je disais juste avant? Je suis troublée par ce qui vient de se passer. Mais ouais, ne restez pas seule. C'est la pire des choses et j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à le faire, hein. Je pense que certaines personnes pourront le faire, hein. Tu disais que tu étais très sentimentale. Oui, je suis très, très, très sentimentale. Je vis la chose réellement. Que dire? Enfin, je sais même pas comment vous expliquer le truc, en fait. Je sais que c'est bizarre comparé à certaines personnes. Je vais y aller, je laisse tourner le live, merci. Je sais pas si tu seras encore là quand je reviendrai. N'oublie jamais de prendre soin de toi. Les bonnes personnes finissent toujours à avoir le bonheur qu'ils méritent. Tu as le cœur sur la main et tu es une maman panda exceptionnelle. Même Lydia et Malia ne font pas le point face à toutes les ex à ton existence. Merci, des bisous, Alex. Merci beaucoup. Mais ouais, je suis très sentimentale. Je vais vite mal prendre les choses. C'est débile, hein, vous allez me dire. Mais
Si un truc qui se passe mal, par exemple autour de mes amis, je vais me sentir concernée parce que je vais être mal pour eux. Si Tetris demande à Rebriège de regarder ensemble la vidéo de Maïté qui mange du poulet. Non, on a un truc. Alors je sais pas si j'ai un endroit où. Attendez. Est-ce que. Où est ma convo avec Brie? Aïe, mes oreilles. Rien que de voir l'image, ça me fait rire. Je vais vous la mettre. Quand Brie et moi, on va pas bien, on a une vidéo. On a une vidéo. Mais genre, on peut rien faire d'autre. On peut être mort de rire après cette vidéo. Tout ira mieux après. Il faut que je vous mette un. Attendez. J'essaye de voir un truc. Déjà, j'enlève la caméra pour me moucher, hein. Velu. Attendez, comment je peux faire? Non. Voilà. Je vais le vous mettre. Bon, vous voyez le chat. Je vous verrai plus pendant le temps de la vidéo. Je vais même faire. Voilà. Rien que sa tête me fait rire. Bref, avec Brie, quand ça ne va pas, il nous faut 6 secondes. Un Vine. Juste un Vine. Et ce Vine. J'ai encore baissé le son, c'est celui-là. Voilà. On est con. On est très con avec Brie. Putain, mais rien que là, ça me fait rire. Mais bref, ce Vine, je vous le remets parce qu'il est bon. Il est bon. Quand un de nous deux ne va pas bien, l'autre envoie ça et tout va mieux. Tout, tout va mieux. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, voilà. Avec la musique de Jaina, c'est hyper triste. Oui, bon, écoutez, mettez Jaina à côté. C'est la vidéo avec deux meufs et une casserole. Oui. Oui. Ce Vine, je pense que ça ferait, mais genre vraiment toute ma vie. Du coup, voilà, si vous voulez. Quand vous n'allez pas bien, pensez à nous deux, hein, et pensez à ce Vine du démon. J'ai perdu Twitch. C'est bon. Paniquez pas, tout va bien. Mais ouais, je suis très très sentimentale et je prends les choses facilement. Mais facilement. Mal en fait. On a tous une vidéo comme ça, je pense, tous. Et du coup, maintenant, vous pourrez penser. Pensez à moi quand il y en a un qui va pas bien, vous lui mettez ce Vine, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je suis très sentimentale, je m'en veux énormément aussi parce que, comment dire, j'ai appris à me démerder seule. Tu feras attention, tu vas de la buée sur tes lunettes. Oui, non mais, écoute, je fais abstraction, hein, les pleurs, ça fait de la buée. Essayez de faire abstraction s'il vous plaît aussi. Sinon, je vais enlever les lunettes et vous allez voir les. L'état de mes cernes en dessous, hein. T'as de l'empathie pour les autres. Oui. C'est-à-dire que une situation va toucher mes amis, je vais mal le prendre et je vais mal le vivre avec eux, en fait. Alors que ça me concerne pas de base, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, ils peuvent avoir un truc avec telle personne, genre, voilà. Welcome in Wonderland, coucou à toi. Ils peuvent avoir un truc, un problème avec quelqu'un. Je me dois, vraiment, je me dois de l'aider et de faire en sorte que cette personne aille mieux parce que je suis empathique avec cette personne-là. Je suis empathique avec les gens qui m'entourent et s'ils ne vont pas bien, je ne vais pas bien. Fuck this logic, hein. Mais du coup, voilà. Et pendant ma période de dépression, hein. Voilà. J'ai réalisé que ce que j'avais appris seule, parce que je me suis démerdée seule pendant très longtemps, sans vouloir ne sert à rien, mais se remettre en question est nécessaire, mais dans tous les cas, sans vouloir ne sert à rien.
Ouais, mais j'ai vraiment du mal avec ça justement. Je m'en veux pour tout ce que j'ai pu faire. Je suis, mais vraiment, compliquée vis-à-vis de ça. Et je m'en veux en fait de ce que j'ai fait vivre à certaines personnes. C'est-à-dire que pour moi, il y avait des acquis que je pensais être bons. Je pensais, hein. On pense tous à des choses. J'avais des acquis que je pensais être bons qui ne sont pas bons du tout. Qui ne sont pas bons du tout. Et je remercie, mais je remercierai jamais assez cette personne-là. Hein. Je remercierai jamais cette personne-là assez de m'avoir ouvert les yeux vis-à-vis de ça. J'ai l'impression qu'on me veut. Mais non, j'ai dit que je n'étais pas là. Je remercie énormément cette personne parce que grâce à lui, j'ai ouvert les yeux en fait. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je m'en veux tellement, mais tellement, de lui avoir fait vivre une personne horrible, hein. Je le réalise que maintenant. Vaut mieux tard que jamais, mais bref. Mais je le réalise que maintenant, mais j'ai été une personne affreuse et. Et si je pouvais remonter en arrière et faire en sorte, vous savez, de. Moi, actuellement, remonter en arrière et donc savoir. Ce que je dois pas faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je le ferai, mais je paierai tout l'or du monde, je m'en fous, je trouverai un moyen pour, mais je l'aurais fait sans hésitation en fait. T'inquiète, c'est comme ça qu'on t'aime, Sienna. Merci. Oui, non, mais. Oui, Bluebird. C'est pas le genre de truc que je voulais parler, mais. Avant. Je me suis promis de plus le faire. Avant, j'allais tellement mal que j'en faisais des crises d'angoisse, mais des crises d'angoisse violentes. C'est-à-dire que les crises d'angoisse que je faisais, je ne savais plus, en fait, si j'étais consciente ou inconsciente. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, je ne sais vraiment pas. Et le seul truc qui me faisait prendre conscience que c'était qu'une crise d'angoisse et que je devais me calmer, c'était de me blesser, et ça allait très loin, hein. J'en garde encore des marques, mais c'était de me blesser, et je n'utilise pas le mot parce que ça me rend malade actuellement, mais ça allait jusqu'au physique, oui. Et c'est pour ça que, vraiment, parlez-en autour de vous, parce que ça, avoir quelqu'un qui peut vous aider va vraiment vous faire du bien. Dire qu'au début j'étais partie sur un live détente avec un DM de maths et maintenant le DM de maths me dit que la population des éléphants des Afriques a diminué de 29% et que ma sienne ne me triste. Mais non, Champiop! Tu peux partir hein, si tu dois faire tes devoirs. Hein. Tu sais, c'est gentil d'être là, hein, mais si tu as d'autres trucs à côté, fais-les. Hein. Fais tous des erreurs, c'est ce qui nous rend humains. Le but est d'accepter ces erreurs et d'en apprendre pour ne pas les refaire. Les personnes parfaites n'existent pas, il faut apprendre pour se construire un beau futur. Et c'est ce que je fais actuellement. C'est ce que je fais actuellement. Que j'apprends de mes erreurs, j'essaye de ne pas les refaire. Puisqu'apparemment j'en refais encore certaines. J'essaye de ne pas les refaire. Et c'est vraiment mon but. C'est vraiment mon but de changer la personne que j'étais en fait. J'ai entendu crise d'angoisse, je sais aussi ce que c'est. J'ai cru que j'allais mourir dans mon lit. Voilà. Mais ouais, les crises d'angoisse, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Et je suis têtue, je suis bornée, et ce genre de choses, j'en ai jamais parlé à ma famille. Ma mère a su pour mes crises d'angoisse, alors que j'en faisais dès l'âge de 8 ans, peut-être. Mais elles étaient pas autant violentes, hein. Elles sont devenues violentes au collège. J'ai fait des crises d'angoisse depuis mes 8 ans et ma mère l'a su uniquement parce que je suis rentrée du lycée plus tôt que prévu en tremblant et que la prof principale, d'ailleurs j'ai fait d'une pierre deux coups, j'avais fait une crise d'angoisse en fait en plein cours, enfin pas en plein cours mais vous savez les cours où vous avez 2 heures et vous avez 5 minutes de pause entre. Et bah pendant ces 5 minutes de pause entre, moi je suis restée dans la salle et je me suis mise à trembler, à me pincer, à me mordre, etc. pour essayer de calmer la crise. Et ça, la prof, elle l'a vu et je l'ai fait du coup avec ma prof principale, qui était ma prof de français à l'époque.
Et en fait, ma mère, elle l'a su qu'à partir de là, parce que je me suis fait griller en public. Sinon, jamais j'en aurais parlé à mes parents. C'est pour vous donner à quel point je ne parle jamais, hein. Du coup, voilà. J'ai fait des crises d'angoisse à cause de l'école. Coucou, bienvenue au club. Mais je pense que c'est violent et de plus en plus fréquent dans les écoles et je trouve ça dommage. J'en fais aussi, c'est super dur, tout le monde me dit non, mais tu fais de la comédie. Ouais. Ça aussi, c'est un truc que j'ai du mal à avaler. C'est le... Tu fais de la comédie? Non. Non, je ne fais pas la comédie. Promis, je n'en fais pas. Mais du coup, voilà. Donc imaginez plus ou moins combiner tout ça. On va dire ça comme ça. Pourquoi j'ai pas... Ok, c'était là. J'ai mon... Mes pages internet qui font de la merde. Sous ton nom, s'il y en a jusqu'au bout. Mais vous êtes gentil, adorable. Mais du coup, je vous devais de la vérité en fait. En gros, tout ce que je vous raconte là, faut l'étaler sur un an. Voilà. J'ai fait énormément de crises d'angoisse aussi, mais depuis quelques temps, ça s'est bien calmé. Ça s'est calmé. Je touche du bois, hein, pour que ça ne revienne pas. Pour l'instant, ça va. Je ne veux plus revoir ce carnage-là. Mais du coup, voilà, je me devais de vous dire la vérité de pourquoi je fais des vidéos et je repars d'un coup. Je fais des vidéos, je m'arrête. Pourquoi j'essaye en fait de vous fournir du contenu, mais pendant ces un an actuel, pendant ces un an en fait, je ne vais pas bien du tout en fait, moi de mon côté. Tout ce que je viens de vous raconter, vous laisse passer sur un an. Et ça fait mon état aujourd'hui actuel et je vous devais la vérité, tout simplement. Petit dernier mot pour dire attends, un sixième, enfin, comment dire les vidéos. Ouais, je vois le genre, Purcell. Pas facile dans ce cas de sourire des parents, je trouve que j'ai toujours caché au mieux que je veux m'écrire. Oui, non, mais Nehru, c'est plus ou moins pareil en fait. C'est ma période auquel j'ai fait une. Ouais. Je comprends ce genre de choses. Tu es peut-être spasmophile. Je savais même pas que ça existait. Je ne sais pas ce que c'est. Et peut-être. Je ne sais pas du tout. Ouais, je vois Néon. Je soutiens de toute façon. Enfin. C'est compliqué à dire parce que les psys et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein. J'ai été, comme j'ai arrêté l'école en seconde après cette histoire de crise d'angoisse, cette histoire de crise d'angoisse en fait m'a fait forcer. Enfin, je voulais plus retourner en cours. J'avais peur du regard des gens après ma crise d'angoisse. Je voulais pas avoir des moqueries vis-à-vis de ça, etc. Et je n'y ai vraiment plus mis les pieds. Et pourtant, j'habite à 50 mètres? 100 mètres? Allez, 75. Je traverse la rue, je suis devant le lycée auquel j'ai fait la crise d'angoisse. Donc, ça aussi, je pense que ça aide pas. Je n'y suis plus retournée. Du coup, je devais arrêter les cours à 15 ans et demi, ce qui n'est pas légal. Du coup, des bisous, Martin. Du coup, l'académie m'a demandé un avis de médecin, etc. Il a fallu que j'aille voir une psychologue pour ça, et en fait, cette psy était la pire de toutes. Mais quand je vous dis la pire de toutes, c'est que pour le premier rendez-vous, elle parle froidement, elle te force à parler, mais genre, elle t'oblige en fait à t'ouvrir. Mais méchamment en fait. Et je lui ai dit, mais je ne veux pas. Non, je le dirai pas ton nom en entier, Martin. Mais du coup, en fait, ça m'a braqué vis-à-vis des psys et je me suis dit, c'est pas possible en fait. Et jusqu'à il y a peu, je refusais de voir un psy. Donc, je comprends parfaitement. Tu sais qu'il y a maintenant, c'est de la.
J'essaye, je me. Bluebird, j'essaye vraiment. Hein. Je me force à. À comment dire? À avoir cette force-là, à avancer. Et de toute façon, je veux avancer parce qu'il y a des personnes qui méritent que j'avance pour elles. C'est la maladie au mi-visage, ça a plusieurs niveaux et ça peut se présenter de différentes manières, de la paupière qui saute à l'évanouissement mélangé à la crise d'angoisse, en passant par l'impression que tout poumon est coincé dans les côtes. Ouais, je vois le genre. Je tiens à préciser que c'est pas quelque chose qui marche pour tout le monde, les psys, et effectivement, il y en a, ils devraient, genre, ne pas être permis de pratiquer, c'est ça. Donc, déjà, moi, parler à des amis, on voit ce que ça a donné. Parler à des inconnus, c'est encore plus compliqué pour moi, et la seule expérience que j'en ai eue dans le passé m'a un peu traumatisée, je l'accorde. Mais du coup, voilà. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, des messages, ma pire dépression, je l'ai soignée avec un concours de POCDI. Ça aide de faire des bêtises, oui. Mais du coup, voilà. Hop. Je crois que je vous ai tout dit. C'est super courageux de ta part d'en parler, en tout cas. Courageuse, je sais pas, mais voilà. Ok. Je regardais quelque chose à côté. C'est gentil. Je vais prendre une douche, je laisse le live et si t'es plus là, sache que je t'ai découvert il y a seulement 2 ans et je sais avec aussi. Peu d'autant que tu es génial, genre super génial et oublie pas le hey hey hey, tu es le meilleur. Des bisous champiop et j'irai voir sûrement après, après avoir géré la famille à côté. Le hey hey, enfin je sais même pas comment ça se prononce, ce truc. Bref, j'essaie de remonter ce qui se passe. On peut t'envoyer des messages en DM sur Discord comme on a déjà parlé une fois. J'ai encore la conve. Je sais pas. En fait, si vous voulez, je veux bien parler avec vous en DM. Je veux bien le faire, mais combien de temps, je ne sais pas. Et surtout, j'ai peur d'être envahie de messages pour rien. Mais au moment où je vais sortir du live, je pense que je vais. Je sais pas, on va dire que je coupe le live à 21h. Peut-être même avant, je ne sais pas. Vous me donnez 1 heure histoire d'être sociale avec la famille, hein, enfin de manger et d'être sociale avec la famille. Je ferai un message hein, avec un everyone où je vous dirai que les DM seront ouverts pour ceux qui veulent parler. J'essaierai de parler avec vous un maximum, mais je ne promets rien, on va dire ça comme ça. Aïe aïe, ça se prononce, ok. Des bisous, champiop. J'ai envie de changer de sujet, je veux arrêter de parler. Ça fait 1 heure que je parle, je veux plus. C'est compliqué pour moi de discuter, hein. Je vais arrêter de jouer avec ce verre, sinon il va finir péter. Il faut que je trouve. Le bracelet ne suffit plus. Je ne sais pas quoi faire. À l'aide, sauvez-moi. Aidez-moi. Allez, arrête, ça suffit. Niel va te faire. Mais je dis, que penses-tu? Tu penses quoi des nanomonkeys sous Zult? La pire création du jeu. Putain, heureusement que je me maquille pas les yeux, hein? Ah, mon Dieu!
Changement de sujet random. Oui, ne t'en fais pas, c'était surtout pour t'envoyer un petit message, mais juste. Pas de soucis, Zondatawan. Quels sont vos repas préférés à tous? Votre maison Poudlard, la couleur des murs de votre chambre. Coucou Rob. Mon plat préféré est un plat portugais. Donc, c'est de la morue en fait, effilée, mélangée avec des frites et des œufs. J'essaie vraiment de changer des trucs. Votre maison Poudlard sert d'aigle. Et la couleur des murs de votre chambre, bleu et noir. Les shampoings qui moussent pas. Oui, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. J'adore le poulet, ma vie. Je vous aime, putain. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Qu'est-ce que je ferais sans les personnes qui m'entourent? Vous devez entendre le bruit du bracelet, ça doit être chiant. Oui, du bakigao. Je vais me remute pour me remoucher, hein? Je reviens. À l'aide. Je me mouche rapidement, oui. J'ai pas de plat préféré, je suis serpentard. Oh, il y a des serpentards. Bref, que faire? Que dire? Oui. Vous êtes, mais vraiment, hein, c'est con, hein. Mais ma communauté est importante pour moi. C'est pour ça que j'ai essayé de pas vous lâcher, même si il y a des moments où fallait que je le fasse. Mais ouais, ma communauté est importante. Pourquoi les portes s'ouvrent? Est-ce qu'on peut me laisser tranquille? Joue un peu. Non, je veux pas jouer. Je veux vraiment que ce soit un live blabla avec vous. Non. Serdaigle, best maison ever. Oui. Les Serdaigle, c'est la vie. Ah bah si. La nana, elle dit, j'ai plus rien à vous dire. Mais si. Désolée à tous de pendant une période de vous avoir fait croire que je reviendrai sur YouTube correctement, alors que ça n'a pas été le cas. De vous avoir fait attendre certains trucs. J'espère revenir en force. Maintenant, je ne vous dis pas, je reviendrai. Mais tu as coupé tes cheveux, j'avais pas vu. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Mes cheveux sont courts. J'ai enlevé toutes les bêtises que j'ai fait sur mes cheveux. C'est quoi ton Patronus? Alors, sur le site Pottermore, je crois que c'est un fox terrier. Mais si je pouvais choisir mon Patronus, je prendrais un loup. Que faire? Que dire? Que faire? Oui, il faut que j'arrête de passer d'un sujet à l'autre. Je suis désolée, vraiment, de tout ça, de vous avoir fait espérer des certaines choses, d'avoir été pendant une période distante et de pas vous expliquer ce qui se passait dans ma vie. J'ai eu du mal à en parler, j'en parle maintenant. Mais je suis vraiment désolée et je le pense. Et que ce soit pour vous, ma communauté, ou pour les personnes qui me soutiennent en privé, qui sont là pour moi en privé, qui l'ont été et qui pour moi le resteront toujours, je suis sincèrement désolée de ce que je vous ai fait subir. Avant de revenir, prends du temps pour toi, occupe-toi de ta santé, reviens-nous plus rien que jamais. Je vais essayer. C'est pas gagné, je vais essayer. Mais je vais le faire. Et je vais essayer d'être une meilleure personne pour certaines personnes. En tout cas, je vais tout faire pour. Sinon, il y a plein de gens qui se plaignent de YouTube en disant que YouTube est de la merde. C'est pas nouveau.
C'est pas nouveau et ça s'arrêtera pas, hein. D'ailleurs, on a eu une conversation avec Brie qui était assez drôle. Parfois, j'aimerais la partager, mais je me dis non, c'est du privé. Mais ouais. Je vais essayer, vraiment. Ne pleure pas, tu vas nous faire pleurer. Enfin, heureusement que t'étais pas là avant. Je pense que là, j'ai plus de larmes. Et je dis ça, mais dans 10 minutes, je vais me pleurer. Bonsoir, que se passe-t-il ici? L'ambiance n'est pas trop gay. Ouais, gay. Oups, gay. Non, mais fallait que je parle, fallait que j'annonce certaines choses et je me devais de le dire en fait. Non, mais le live c'est cool, oui. Mais les lives je lâcherai pas, hein, je vous le dis tout de suite. Les lives je lâcherai pas. Tout comme vous, j'en ai besoin. Hein? J'ai pas compris, Mike. Non, rien de grave, je m'en balais. J'explique juste pourquoi je suis pas bien en ce moment, pourquoi YouTube c'est le live de la déshydratation. Qu'est-ce qu'on me disait? Pleure, tu pisseras moins? Je crois que c'était ça. Donc apparemment je pisserai moins. Hein. YouTube, en fait, je ne sais pas quoi préférer entre Twitch et YouTube. En fait. Tout dépend de la personne et de la personne qui stream. Personnellement, je préfère largement Twitch. Après, chacun les goûts et les couleurs. Moi, c'est vrai que j'ai connu les lives avec Twitch il y a 2014? 2013? Ouais, un truc dans le genre, je crois. 2014 peut-être. 2013. J'ai connu à partir de 2013 et j'ai surtout adoré à partir de 2014. Mais pour moi, Twitch restera un intemporel. Et ça fait du bien. Twitch, j'ai l'impression d'être proche des gens. De pas juste avoir plein de gens qui regardent, mais qui ne participent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre sur YouTube, je me sentais pas seule, mais... Comment dire? Sur Twitch, je sais que vous êtes là, en fait. Sianel boit du vin. Non. Calmez-vous. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Honnêtement, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie et c'est l'une des choses les plus difficiles à accepter. Que tu reviennes ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est toi. Ouais, j'ai encore du mal avec ça en fait. Le plus important, c'est moi. Je me mets de côté en fait. Je préfère penser aux autres avant de penser à moi. Donc, c'est compliqué pour moi de ça, mais je vais essayer de. Trouver un juste milieu, comme on dit. Coucou Olaf. Il y avait moins de proximité. Ouais, voilà, en gros. J'avais juste l'impression de streamer pour streamer, en fait. Et sur Twitch, je suis mieux, en fait. Je vais me redresser. D'ailleurs, j'ai pas allumé. Tant pis. J'ai pas allumé la lumière de la chambre en elle-même. J'ai juste allumé les deux spots. Qui me détruisent les yeux au passage. Mais du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ces étrangers qui seraient faits comme moi. Me revoici, j'ai speedé ce qu'il a dit. Non, pas encore lui. Ah non, pas lui. Des bisous, Alex. Niel, tu fais chier. Hop, hop, hop. Pourquoi je check mon téléphone? C'est tout simplement, je voulais le dire. En fait, tout ce qui est. On voit les belles traces de doigts. Tout ce qui est vérification des analyses. Enfin, en gros, l'analytique Twitch est plus simple pour moi sur mon téléphone que sur le PC. Du coup, en fait, quand je check de temps en temps mon téléphone, je sais pas que je vous ignore. Hein, c'est juste que je regarde les analytiques Twitch. Phil Collins, c'est le bien. Ah oh oui. En vrai, je vais me mater Frère des Ours ce soir. Je pense. Ça m'aidera. Là, on est là et puis on peut écrire des conneries. Oui!
Mais ouais. C'est... J'essaie de voir en fait ce que je n'ai pas dit ou pas. Pour ça que les questions sont... peuvent m'aider en fait. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas. Oh bah non, il est trop triste comme vie. Ça va, c'est pas le plus triste. Mais c'est vrai que... Frère des ours aide. Je ne suis absolument pas centrée sur ma... Sur ma caméra, tant pis. Du coup, je vais vous mettre la musique dans la tête, c'est ça? Parce que j'ai dit que j'allais regarder Frères des ours. Regarde Lilo et Stitch, c'est beaucoup plus drôle. Mahalouina. Je vais essayer de pas vous mettre des musiques dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reçois des notifs tweet. Hein? Je ne sais plus. Ah, d'accord. Ce n'est pas important. Dans ton état, faut surtout pas que tu regardes Rex et Rocky. Alors, petite anecdote. C'est un des Disney que je n'ai jamais vu. C'est un des Disney que je n'ai jamais vu de mon côté. Ou alors un bon Harry Potter, genre le 3, c'est le plus joyeux. Ouais, on va voir. Non. Dans les récents, Vaiana, il est bien. Oui, c'est un de mes préférés. Tu m'as mis Panic! At the Disco dans la tête. And if you don't know, now you know. Taking back the crown. Tu prends des médicaments pour t'aider un peu, genre ton médecin t'a prescrit des trucs. Pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, je n'ai aucun traitement. Le seul traitement que j'ai... D'ailleurs, il faut que j'en reprenne. Il m'en reste plus qu'une. Les seuls traitements que j'ai, c'est parce que j'ai des carences de fer et de vitamines, apparemment. D'ailleurs, petite anecdote, c'est des médicaments, c'est juste du fer et des vitamines. Petite anecdote, la première fois que j'ai pris ça... Est-ce qu'un modo peut me texter par le Discord ou Twitch, please? Ah, qu'est-ce qu'il y a? La première fois que j'ai pris ça avec Hopi, donc Hopi qui bosse dans un laboratoire, elle m'a demandé si j'étais enceinte. Parce qu'apparemment, ce qu'on m'a donné, en fait, c'est généralement ce qu'on donne à des femmes enceintes. Mais ça m'a fait rire. Du coup, voilà. Faites attention à ce qu'on vous prescrit, ne les prenez pas en public. Parfois, on peut croire que vous êtes enceinte, du coup. Ce n'est pas plus mal que tu n'aies pas de traitement car on devient vite dépendant, c'est pas top. Ouais, je me doute, mais si je dois en arriver là, j'en arriverai là, c'est pas grave. C'est le jour du sandwich. Mais il n'y avait plus de beurre de cacahuète. Oh, allez, c'est vendu. C'est vendu, ça va être Lilo et Stitch ce soir. Mais du coup, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? T'es de good girl. Good girl gone bad. Suis en train de réfléchir à si j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Je me fais MP par des gens disant détester. Ça hébé, dis donc. Oui, il s'appelle Doudou Emma. Je me doute bien, Bluebird, mais ça a à voir avec la suite. Là, avec la Suisse.
On verra avec la suite des rendez-vous en fait. Si pour l'instant on m'a dit qu'il n'y aurait pas besoin, mais peut-être que avec le temps, oui. Coucou, je débarque, il se passe quoi? Moi, c'est juste une explication de pourquoi je ne suis pas trop sur YouTube en ce moment. Il MP tout le monde du live. Bah bloquez-le, hein. N'hésitez pas à le bloquer si c'est juste pour ça. Hein. Je sais pas qui c'est, donc n'hésitez pas à le bloquer. Hein. Y a des gens bizarres sur Twitch parfois. Non. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, après ça reste. Coucou Arcanite, tu arrives peut-être à la fin. Ouais. Je crois que j'ai tout dit. Je crois. C'est un monsieur raciste pas très gentil. J'aime bien le pas très gentil. Et j'ai l'impression que le boîtier fait des bêtises. Est-ce que pour vous le live lag? T'inquiète, t'inquiète, Alex. Quand c'est comme ça, dites-le sur le général, enfin sur le chat général. Comme ça, vous prévenez les autres en fait. Dommage. Non, mais c'est pas grave. Écoutez, les gens qui parlent mal de moi, c'est pas nouveau et ce sera pas nouveau, hein. Par moment de mini drop. Ouais, donc je vais pas forcer le live. Surtout que je crois que je vous ai tout dit. Le live ne lag pas pour moi. Ah. Il y en a, ils ont des micro-lags, d'autres ils en ont pas. Ça, c'est les. C'est toujours un mystère, hein. C'est un truc que je ne comprendrai pas. Le live fait des écrans noirs parfois. What the fuck? C'est vraiment aléatoire, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? What? Attendez. J'essaye de rattraper 2-3 trucs. Tu ouvres tes MP après? Je pense que je les ouvrirai, oui. Bref, je vais arrêter le live là. Je vais respirer un coup. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas comment terminer ce live sans me remettre à pleurer. Hein. Ce serait pas mal. Merci d'avoir été là. Je vais pas dire. J'espère que le live vous aura plu parce que c'est pas ce que je veux. J'espère que le live vous aura fait comprendre ma situation actuellement. Demain, on aura un live normal, c'est-à-dire qu'on va oublier ce qui s'est passé là actuellement, hein. Enfin, pas oublier, hein. Mais au moins j'aurais ouvert ce que j'avais à dire à vous. Je te texterai demain. Pas de souci, Alex. Je vais couper le live et j'espère que le live de demain vous plaira. Je ne sais pas encore trop sur quoi. Je ne sais pas trop encore sur quoi. Je pense que vous choisirez à ma place. Et puis voilà. Non, en plus, il y a le chien qui fait du bruit, donc. Je vous fais des bisous. Merci. Merci vraiment. Vraiment. Tous. Tous. Pour ce que vous faites. Merci à ceux qui me supportent en privé. Hein. Merci vraiment pour ceux qui me supportent en privé. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.